Allez, prochain chapitre. Que se passe-t-il ? Grincement m'a stoppé avant que je puisse finir de modifier le manuscrit. Le souvenir de mes changements s'estompait déjà. Ce serait terrible si le manuscrit se concrétisait. Grincement était là, à Parliament Tower, ruinant mon travail. L'histoire pouvait lui permettre de fuir, de s'en prendre à Alice. Night Springs, a special place, a shifting space, existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town, sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. Awe-inspiring, macabre. Lui, il fait flipper de fou, hein. Heartbreaking, nail-biting, absurd, and thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of... Écrire. Zane avait dit qu'on bossait sur Return ensemble, mais c'était faux. C'était l'œuvre de Grincement. Je retournerai rendre visite à Zane. Il m'avait conduit à deux scènes de crime. Il m'en fallait une autre pour revenir à Parliament Tower. Un nouveau jet pour Initiation. Encore Monsieur Dor. Ask. Parler à Monsieur Porte. Je n'ai pas de temps à perdre, alors finissons-en maintenant. Je veux savoir. Tout ça, c'était bidon ? C'était faux ? Personne n'a jamais dit que c'était réel, Monsieur Wake. C'était pour vous faire plaisir, mais... on peut arrêter de faire semblant. Enfin, les masques tombent. Oh, je n'irai pas jusque-là. Vous ne savez même pas qui est sous votre masque. Mais vous savez bien comment vous compliquer la tâche. Toutes ces règles, ces boucles complexes et infinies que vous ne cessez de vous infliger. Vous avez une chance énorme, vous savez. Il y a tellement de gens qui vous aident. Des armées de bonnes âmes. Moi-même. Votre femme. Alice. Il faut que je la retrouve. Elle est en danger. Elle l'est. À cause de vous. Tout comme quelqu'un d'important pour moi. Quelqu'un que vous avez embarqué là-dedans. Vous passez votre temps à ouvrir des portes. Pour jeter un œil. Puis vous en servir pour obtenir ce que vous voulez. C'est ce qui vous a mis en travers de mon chemin. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Il faut que je m'en aille maintenant. Peut-être que vous y arriverez cette fois. Oh. Tout ça a suffisamment duré. Ça a été avec Zone X une bonne distraction.
Il est temps que quelqu'un ici me donne une réponse claire. La prochaine fois qu'on se verra, les circonstances seront très différentes. Et vous feriez mieux de jouer votre rôle pour me rendre à l'appareil. Ou de cesser de m'importuner, Monsieur Wake. Ouais, comme vous voudrez. Oh là ! Porte, Zane, les masques finissaient par tomber. Est-ce que ça signifiait que l'issue était proche ? J'avais pas de temps à perdre. C'est terrible. On fait gaspiller mes piles, on m'en redonne pas. Je vais péter mon crâne. La panique est la plus grande. L'aide est la plus proche. Porte ne semblait pas ravi de me voir cette fois. La peur du maître est la source de la sagesse. Mais ne vous laissez pas miner par le jeu. Il joue juste son rôle. Vous devriez le mettre dans vos films, Tom, comme vous m'avez mis. Oh merde alors, ce serait génial. Quel film ? Je suis fan de tous vos chefs-d'œuvre. Il y a Tom, le poète, mon préféré. Nightless Night, c'est le plus connu de vos films, bien sûr. C'est bien vrai ce qu'on raconte. Qu'il va repasser au cinéma très bientôt. Est-ce que la rumeur a un fond de vrai? Je dois retourner dans mon appartement. Vous pouvez m'aider? Chose bien prévue, à moitié faite. À propos, vous m'avez demandé de vous rappeler de prendre comment on appelle ce truc déjà? Vous savez, les images, les photos prises par votre femme artiste. Elles attendent dans ma boîte à chaussures au sous-sol. Ce qu'on laisse derrière, on le retrouve devant soi. D'accord. Merci, Adi. Je pense que le sous-sol c'est par là. Oh là là. Je trouverai les photos d'Alice dans une boîte à chaussures. Ça me rend ouf. Pas de piles.
Rien. Genre il revient quoi. On dirait que si je vais par là et que je reviens, il va respawn. Vous avez vu ce forceur? Genre il a spawn infini le bâtard, il m'a coûté 3 piles. Une balle de lumière pour éloigner les ténèbres. C'était les photos d'Alice. Je reconnaissais son style. L'une montrait le rupteur sombrant dans les ténèbres. L'autre voit une lumière en forme de munitions. Elles étaient importantes, même si j'ignorais encore ce que je devais en faire. J'ai vraiment hâte. C'est dans un cinéma. Mais d'abord, le travail. Et il y a toujours du travail, même quand on croit avoir terminé. Ah, je vois une pomme de terre à la fois. N'oubliez pas, Tom, les courageux mangent la soupe de pois. Ok. Ah bah ouais, il s'en va. Impossible d'entrer. Il manquait quelque chose. C'est bugué. Ah, mais ils m'agressent pas eux. Comment ça il manquait quelque chose genre... Ouais, c'est moi. Ils sont buggés ou quoi? La porte ne bougeait pas. Trop bizarre genre juste là les piles pour eux ça dégoûte alors qu'ils m'attaquent pas quoi.
Qu'est-ce que j'ai oublié? Ok, il y a R. Ouais, super. Lui, il a une horrible musique. Je comprends pas. I don't understand. Allez, c'est parti pour chercher pendant une demi-heure. Go! Aurais-je trouvé la sortie? Fin de la partie. J'ai trouvé la sortie. Et non, les chapitres d'Alan Wake sont très courts. On va continuer direct parce que c'est... Flippant. Pour rejoindre Parliament Tower, je devais trouver une scène de crime. Zane saurait où en trouver une. Oh non, quand ils disent l'hôtel, c'est là où j'étais il y a 50 épisodes avant. Il y a tellement d'ombre. Foutez-moi la paix. J'ai même plus réfléchir 5 minutes. Donc ouais, faut que j'aille à l'hôtel quoi. Hôtel Océan View. Comment est rapide d'y aller?
Ah mais il est là l'hôtel. Oh c'est moi. La chambre de Zane, la 665, était là-haut. L'ascenseur pourrait m'y conduire. Ok. Ah putain. La musique. La musique. Ah bon, on y arrive direct. Quel plaisir. Mon instinct me disait que Zane ne serait pas ravi de me voir cette fois. C'est moi qui ai le contrôle maintenant. Si vous tentez quoi que ce soit, je vous mets une balle dans la tête. C'est Grincement qui a écrit Return, pas moi! Espèce de sale menteur! Vous aviez abandonné? Vous aviez arrêté d'écrire? Vous disiez que c'était trop dangereux et puis qu'on ne méritait pas de s'en sortir. Et c'est là qu'il est apparu. Grincement, il a promis d'écrire. Il a promis de me faire sortir. Il était incroyable. Un vrai visionnaire. Je veux dire, c'était du grand art. Ensuite, quand il a eu fini, il a pris Return et m'a abandonné là. Le livre est toujours là, et lui aussi. Je sais que je l'ai merdé. Mais vous pouvez encore le rattraper, avant qu'il s'échappe, avant qu'il atteigne votre femme. Quand vous le retrouverez, n'hésitez pas. Tuez cet enfoiré pour ce qu'il nous a fait. Il y a une scène de crime dans mon cinéma. Celui qui diffuse mon film Nightless Night en ce moment. Je vous avais dit qu'il fallait rien tenter. Ok. Ça, c'est du cinéma. Ok. C'est quoi ce truc ? J'avais 1 million de questions sur Zane. Mais j'avais des problèmes plus urgents. Oui. Je devais trouver le cinéma. Quel enfer. Le poète cinéma. C'était la prochaine scène de crime. Zane avait fait son film en même temps que Return afin de fuir l'entre-noir. Oh là là, vous arrivez à suivre ? Moi oui. Problème numéro 1, trouver des piles. Oh putain, ouais.
où est le cinéma? Distinguait les faisceaux des projecteurs du cinéma tout au bout de la place. Il veut pas s'aligner, hein. Ouais, bon. Enfin, la vaisselle dans Duracell, ça tient plus longtemps. Des piles alcalines. Bon, on voit le cinéma là-bas. Un petit café. Ouais, ouais, les ombres. Ah, il y a une ombre qui vient m'agresser. Imagine, j'ai plus de piles, comment je down le truc? Il doit y avoir des piles dans le coin, c'est obligé. Voilà. 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 Parce que bon, imaginez. J'arrivais sans piles là. C'est terrible. Ça marche bien les armes améliorées. Il est fou, il a respiré comme un plot là. La porte ne s'ouvrait pas. Nightless night. Ok. Allons-y. Le cinéma semblait être fermé. Oh. Ça permettrait peut-être d'y entrer. Excellente séance, monsieur.
Merci. Le hall du cinéma était un portail vers d'autres réalités sur grand écran. Je pourrais y créer une scène. On va fouiller déjà. J'avais l'impression d'être sur cette affaire depuis une éternité. Toujours. C'est lui le créateur du jeu là. C'était ma seule. Je crois. Ces types sortaient des ténèbres pour que. Mec, il se fout partout dans ses jeux. C'est même plus un caméo à ce niveau-là, c'est. Laissant des scènes de crimes sanglantes et des indices au sens obscur. Qui ne menaient nulle part. En arrivant au cinéma, je sentis le poids d'une terrible révélation s'agiter devant moi, prête à desserrer ses crocs pour pouvoir m'avaler. Cet endroit avait un sens pour la secte. Je pouvais me servir de ça. On peut pas échapper à ses peurs. On emporte ces monstres partout. Le diable, là, tu portes, il est en toi. Tu lui reviens toujours, en boucle. Il faut que j'arrête. Ok, je sauvegarde. J'ai un nouveau mot. On fouille un peu avant de swap. Cool, des munitions dans le congélateur. Toujours plaisir. Est-ce que j'ai déjà cessé d'écrire? Je ne peux pas. Il y a trop d'enjeux. Oui, je vais écrire, je vais écrire. Oh, 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 oh. Voilà, j'ai la carte. Je vais écrire, mais là, en sécurité. Le grand événement était le meurtre. Je devais pouvoir m'y faufiler. La première étape vers le lieu du crime, je progressais nettement. Oh là, pourquoi des barres de pole dance avec des ampoules? Ok. Oh. Inventaire plein, putain. Ok. Et j'ai une grenade flash. En cas d'embrouille. J'oubliais quelque chose. Oh, les ombres comme ça, ça fait flipper. Ok.
Je comprends pas là. Avec l'intrigue. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que je me mets là et je swap? Ok. Je crois que ça vous ferait du bien. Je crois que ça vous ferait du bien de cracher le morceau. C'était une cérémonie d'initiation. Enfin, c'est ce qu'on a fait croire aux nouveaux membres. Deux beaux poulets de New York. Ils nous ont rendu des tas de services pour intégrer nos rangs. On leur avait prévu un truc spécial. Et un truc vraiment spécial pour vous. Alex Casey. Qui est votre chef? Alan Wake? Grincement? Zane? Je veux un nom! Vous ferez bientôt sa connaissance. La corruption était sans limite. Oh, quelle voix! Ça allait avec le genre. Alors je l'utiliserai. T'aimes bien le jeu? Ça va. L'histoire a l'air cool, mais je suis pas fan du style du... Oh. Genre les screamers toutes les 3 secondes, ça me rend fou, quoi. Là, ça va, on en a pas trop eu. Tiens, il y a une bonne ambiance, quoi. Dans boîte à chaussures, je vais ranger des trucs. Qu'est-ce que c'est ? À les ports. On est dans quelle salle de cinéma là? C'est quel coin? J'avais vu une salle de cinéma aussi dégueulasse. Tilt of the world. Les légendes urbaines autour de Thomas Zane étaient un puissant fond. J'avais bien creusé. Pour les dingues du 7ème art. Ah, merde, je suis parti. Les légendes urbaines autour de Thomas Zane était un puissant fond. J'avais bien creusé. Pour les dingues du 7ème art, c'était une légende du cinéma d'art et d'essai. Une star montante, venue droit de Finlande jusqu'en Amérique.
mais il n'avait tourné qu'un seul film, Tom le poète, avant de disparaître. Tout comme le personnage principal de son film, qu'il avait incarné lui-même. Le plus grand mystère concernait son film perdu, une œuvre de jeunesse faite en Finlande, Nightless Night. La rumeur disait qu'il avait des vertus mystiques. Certains disaient que c'était un snuff movie et que le crime rituel du film était un vrai meurtre. Apparemment, il n'existait plus aucune copie du film, mais la secte en cherchait comme un véritable Graal. Exactement comme les livres de Wake. Ok. C'est rassurant, j'ai des fans. Je devais être sur place pour voir et pour comprendre afin de tout changer. Bah, je fais pas de plus sur place. Après, peut-être qu'il faut que je sorte de là. Impossible d'ajouter un élément d'ici. Je devais aller sur place. Ah non, mais c'est le hall, putain. Wow. C'est une autre ambiance. Les flics avaient eu droit à leur minute de gloire avec la secte. Et ça avait été mortel. C'était les victimes du meurtre. Je devais me faufiler dans la cabine de projection. Yes. Je ne pouvais pas changer l'élément d'intrigue d'une scène sans être sur place. Ah. Non, c'est pas la lumière, je pense pas. Non. C'est pas la lumière. Je pense qu'il faut que je change l'élément de l'intrigue. Je vais laisser la longue lumière. Attends. Attendez. Ok, rien qui change. Pour essayer qu'une grosse ombre m'apparaisse sur la gueule. Alors, comment ça va changer? La secte du mot. La scène changea avec l'histoire. Lui veut ma peau, lui. C'est flippant de fou.
Ah là, il y avait un truc, j'avais pas vu. Non mais est-ce que vous vous êtes bien regardé? Vous suivez votre maître jusqu'aux portes de la folie. Vous êtes qu'une bande de clowns encapuchonnés avec des masques bizarres qui jouent à la société secrète. Peut-être que c'est plutôt vous qui jouez un rôle, monsieur Casey. Un rôle soigneusement taillé pour vous. Un pantin qui suit aveuglément les étapes rituelles à la gloire de la secte. Mais bordel, qu'est-ce que vous avez fumé? Nightless Night. Un bout du film a survécu. Vous verrez, monsieur Casey. Dans Nightless Night, vous comprendrez enfin. Nightless Night était le film de Zane. Il joue un rôle dans cette histoire. Ok, nouveau mot. Changeons la pièce. Tic tac tac. Qu'est-ce que c'est? Zane était à l'écran tenant ma lampe. Est-ce qu'il jouait mon rôle dans son film? La lampe de Zane était éteinte. Je pouvais lui passer la lumière de ma lampe. Attends, j'ai pas suivi là ce que je dois faire. Attends, mais la cabine de projection, elle est pas par là? Sauvegardons. Lost. C'est exactement ce que je suis. Super. Toujours fermé.
dépend. Quelqu'un avait trouvé la mort en chutant du toit. Où se trouve le rond noir ? Ok, flippant. La réponse devait se trouver sur le plan d'intrigue. Ouais. Je savais que je progressais. Je devais continuer. Ou autre chose, pour cette initiation. Non. On devra juste chanter un truc pour la cérémonie. Y a pas plus simple. Eh ben, c'est pas trop tôt. On le mérite bien. On a fait disparaître beaucoup de leurs problèmes. C'est qu'on en a balancé des corps pour eux. Ce qu'on a pu faire ou pas faire, c'est du passé maintenant. On va atteindre les sommets, mon vieux. Ouais, ça va être comme le paradis après la mort. Bon, par contre, la porte qui se ferme comme ça, ça m'a fait peur. Salut Hamta, comment vas-tu ? Je suis concentré. Ok. Atteindre les sommets. Les deux flics ripoux observèrent la ville. Leur ville. S'il n'y a pas d'ennemis, je serai verni. Wake. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Flippant. Flippant, flippant. Oh oui, un café. Je déplace, je déplace. Ok.
Non, c'était pas ça. Mais moi ça va, tranquille. Salut Kagami. J'espère que tu vas bien. Vous avez pas intérêt à bouger. Ou je vous flingue sans hésiter. Vous me tenez, monsieur Casey. Je suis à vous. Allez-y. Posez la question qui vous obsède. Comment c'est possible? Comment ça marche? Comment j'apparais dans ce film alors que j'en ai aucun souvenir? Expliquez-moi! Vous avez vu le film? Parfait! Vous êtes donc prêt à rencontrer le grand maître. Il attend dans la cabine de projection où tout vous sera révélé, où il projettera une nouvelle réalité sur celle-ci. Allez, monsieur Casey, j'ai joué mon rôle jusqu'à la fin. Non! Non! Espèce de malade. Pourquoi est-ce qu'il a sauté, ce con? La cabine de projection. Est-ce que j'y trouverai la scène de crime? Mais moi, ça va, Kagami. J'aime pas, il fait nuit. Voilà, on va remettre ça. Il y a des phares, il y a du néon. Hop, petit café. Oh non, ils sont si nombreux. Faut que j'arrête de gaspiller mes piles. Alors que je peux dodge. Sécurité. Je sauvegarde. Voilà, je suis safe. Comment je retourne dans la salle de cinéma?
Quel enfer. Ok. Je suis sous tension là. Cette intrigue créerait quelque chose de terrible dans la scène. Mais c'est ce qu'il fallait à l'histoire. Descend. J'étais cerné par du matériel de cinéma. Je devais pouvoir rejoindre la cabine de projection. Oh là. J'ai peur. Je suis pas seul. Je suis là, espèce d'enfoiré. Montre-toi. Le grand maître, tu me parles. Un bouffon masqué, ouais. J'ai un fusil de chasse. Et je m'en suis pas encore servi. Vous n'avez pas envie d'être le premier à goûter double chevrotine dans les chicrosses. Alors rendez-vous. Là, je suis dans une tension très tendue là. Je suis pas bien. Oh mon dieu. J'étais de retour au départ. Une boucle dans une boucle. Je devais continuer. Ok. Je suis là, espèce d'enfoiré. Montre-toi. C'était qui? Qui a dit ça? Le grand maître, tu me parles. Un bouffon masqué, ouais. C'est pas moi qui porte un masque, espèce d'abruti. J'ai peur. Ici de l'histoire perdait les pédales. Ce serait bientôt mon tour. Ah. Ah. Ok. J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer, progresser jusqu'au lieu du crime. C'est flippant. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre des screamers? Juste ça là. C'est flippant. Cette ambiance là. Ok. Je me sens tellement mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mort.
Ben, elle m'a rongé l'esprit. Oh, tu te délires totalement, mon vieux. Merde, 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 merde. Reprends-toi maintenant. Return. Je l'ai dit, j'ai return. Quelque chose a foiré. Je l'ai réécrit tellement de fois, mais j'échoue toujours, ça foire. Je m'y prends mal. J'oublie, j'oublie. Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est moi qui déconne? Est-ce qu'il y a un problème avec moi? Ou est-ce que quelque chose m'échappe? Un élément vital? Oui, je dois écrire. Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident, j'ai écrit Departure et ça a marché. Ça a très bien marché. Il manque peut-être une étape avant Return. Qu'y a-t-il entre Departure et Return? Les tâches, le défi, les leçons. Initiation. Oui. Mais je l'ai pas écrit, celui-là. Pour vaincre cet endroit, pour arranger les choses, on ne peut pas plonger dans Return avant Initiation, c'est ça? Ça paraît logique. Initiation. Je dois écrire Initiation. Ok. Ah, projection room. Nice. J'étais à nouveau de retour au départ. Je devais continuer, progresser jusqu'au lieu du crime. En plus, il répète la même phrase tout le temps. Je suis là, espèce d'enfoiré. C'était qui? La qui a ferme dit ça? Et tu vas la fermer, ta gueule! Ferme-la! Je sais, je vais finir, je t'en sais. Je vous aurai tous! Attention, le streamer. Qui est-ce? Qui est là? Vous vous trompez de type, hein? Je ne suis pas Alex Casey. Je l'incarne juste au cinéma. Ce n'est qu'un personnage de fiction. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas à me tuer, ni à prendre ce couteau pour me poignarder. Vous pouvez laisser tomber et faire demi-tour. Oubliez le sacrifice rituel pour ouvrir une nouvelle voie. Le sacrifice rituel pour ouvrir la voie? Non. Ne faites pas ça. Vous n'avez pas à devenir un monstre. Laissez ce couteau qui fait froid dans le dos et partez. Couteau dans le dos? Tout dans cet échange était absurde. Notre dialogue forcé et ridicule aurait mérité d'être... Oh non! Oh non, pas ça! Vous le regretterez! C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'aime pas ça. Ah, le cirque. J'approchais du but. Jouez votre rôle. Tout ce qui sort de ta bouche, ça sent mauvais. C'est des mensonges. Le seul endroit où tout ça a un sens, c'est dans ton cerveau malade. En tant que personnage fictif d'une histoire, vous avez rempli votre mission. Vous m'avez ramené l'auteur de l'histoire. Vous êtes libre maintenant, Casey. Pas question que je parte d'ici sans avoir obtenu des réponses. Comment j'ai fini dans ce film? Et pourquoi est-ce que tout ça m'est familier? Mais qui t'es, bordel? Et putain, mais qui je suis? Non! Et bienvenue à vous, Alan Wake. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Voici le rituel qui te guidera. Nous ne sommes plus qu'à un pas de votre destination finale, Monsieur Wake. Mais d'abord, voici un casse-tête sans réponse pour vous. Si Casey était fictif, et que vous avez endossé son rôle d'enquêteur. Êtes-vous fictif aussi? Dans quelle histoire vivez-vous, Monsieur Wake? Les visions commençaient à m'irriter. Elles étaient trop proches à mon goût.
Ce n'était pas une couche distincte, mais elle perturbait ma réalité au sein de l'entre-noir. Non. Une impasse. C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai loupé ? Je vais ressortir par là et ce sera un autre truc. Oh non, pas ce cirque. Le lieu du crime. Oh là. Le masque était la clé. C'est comme ça que je pouvais l'aider. Saga Anderson, écoutez. Grincement m'a eu. Il a écrit Return. J'ai tenté de changer l'histoire, mais il m'a arrêté avant la fin. Il l'a maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Comment ça, s'enfuir ? Est-ce Grincement aussi ? Je dois l'arrêter. Je dois l'arrêter avant qu'il s'échappe. Il veut tuer Alice. Je suis piégé, mais je fais des progrès. Je vous ai choisi pour être l'héroïne de l'histoire. Grincement a fait une histoire d'horreur. Je dois conserver le genre. Ça doit être sombre. Mais l'héroïne peut gagner, sauver sa famille et nous tous. Sauver sa famille. Vous êtes en train de parler de la famille. Oui. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Dans l'histoire d'horreur. J'étais bien plus proche. Je n'avais jamais été si proche. Mais il ne fallait pas traîner. Tout était encore vraiment incertain. Je pouvais encore tout perdre. Parliament Tower. Je devais y arriver cette fois. Arrêter Grincement. Prendre le manuscrit. Modifier sa fin. Damn boy! Est-ce que c'est le rush final de Alan Wake?